Yop, tout le monde, c'est du sale, les gars. Oh, alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, pour comment modder son. Comment ça s'appelle? Sa petite boule PSN. Donc, ça marche uniquement sur PS3 Jailbreak. Donc, sur CFW. Pas sur OFW. En gros, sur. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc voilà. Ben on se retrouve tout de suite sur la partie PlayStation 3. Donc voilà. Oui si. Ah oui si c'est bon. Donc voilà. Donc, une fois que vous êtes en multiman, voilà donc sur la console, vous allez dans la catégorie paramètres. On va tout en bas. Et là, il y a marqué accès à la voiture de couché. Après, il y a les dans les options. Une fois que vous aurez fait donc une fois que vous aurez activé le DV flash sur Multiman de la console, vous aurez à télécharger FileZilla si vous ne l'avez pas déjà, et ça que je mettrai en description. Donc qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout simplement pour les différentes boules de PSN. Donc là, en ce moment, moi j'ai le Rubik PSN. En gros, c'est quoi? C'est, si je me trompe pas, c'est le scorpion rouge là qui est sur la console. Voilà. Donc, je précise, ça marche uniquement sur. Ça marche uniquement quand vous êtes dans le menu XMB. Par exemple, quand vous lancez un jeu et que vous appuyez sur le bouton PS, la boule PSN sera rouge en fait, hein. Donc, on va prendre Gold. Ça peut être pas mal. Voilà, donc là vous aurez un fichier RCO. Donc vous lancerez FileZilla. Si ça veut bien se lancer. Voilà. Donc là vous trapperez votre comment ça s'appelle? Votre IP. Donc si je la cache pas, c'est une IP locale. Ah mince. Non, je me suis trompé. Je connais même pas mon IP par cœur. Eh ben bravo. Ça promet. On va quitter. On va relancer FileZilla. Voilà, donc là, une fois que vous aurez activé le truc, normalement vous aurez un truc, ça va être un fichier, ça va s'appeler Dev Blind. Donc vous irez dedans, vous irez dans VSH, ressources, et une fois que vous serez dans ressources, vous aurez plein de trucs, que des fichiers RCO. Et donc là, vous irez dans le truc WinRAR, donc voilà. Donc là, on va le mettre comme ça, et on va le glisser dedans ressources. Donc ça, on peut quitter. Donc là, ils vont nous demander de le remplacer contre l'autre. Vous faites OK. Et donc voilà, tous les transferts réussis et tout. Et donc là, normalement, ça a bien marché. Donc, on se retrouve directement sur la console pour voir comment ça fait. Directement quitter Multiman. Et là, on va voir la boule du PSN qui aura changé. Logiquement. Et donc voilà, donc là, elle est en or. Donc voilà. Donc elle est toute en or, donc c'est vraiment stylé et tout. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas de vous abonner, commenter et partager, ça me fera toujours plaisir. Et puis voilà. Peace les gens.